Écrire. 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 Faire face. Faire face. Écrire. Écrire. Faire face. Écrire. Faire face. Faire face. Écrire. Faire face. Écrire, c'est un pied de nez au monde entier. Écrire. Faire face. Écrire, c'est inscrire à jamais. Écrire. Faire face. Écrire. Mobiliser. Écrire. Faire face. Schrijven, de verbeelding voeden. Écrire, c'est partager sa résistance. Écrire, décoder pour agir. Écrire, faire face. Écrire, ouvrir. Écrire, relire. Écrire, insister. Écrire, changer le monde. Écrire, faire face. Écrire, ouvrir les portes, les fenêtres, libérer. Nous sommes submergés de signes, de mesures, de nombres et d'indices. Ils détournent notre attention des véritables questions. Où allons-nous ensemble? Quelle sorte de société voulons-nous construire? Comment échapper à la violence de tous contre tous? Comment échapper à la violence de tous contre tous? Nous demande Jean-Claude Guibaud dans cet extrait de son livre « Une autre vie est possible ». Quand notre université a choisi, il y a plusieurs mois, la thématique des doctorats honoris causa de cette année, quand elle a proposé aux trois écrivains que nous accueillons aujourd'hui de les honorer pour leur engagement, nous ne pouvions pas deviner dans quel contexte tragique cette cérémonie s'inscrirait. Le mercredi 7 janvier, au moment où Laetitia Pierson et Emmanuel André, marraine et parrain UCL, rencontrent Jean-Claude Guibaud, à Paris. Ils lui apprennent l'attentat qui vient de tuer plus de 10 personnes au siège de Charlie Hebdo. Tous, nous avons entamé l'année 2015 dans l'effarement. Celui-ci a rapidement fait place à un mouvement d'indignation et de solidarité qui a réuni des centaines de milliers de personnes. À l'horreur ont succédé l'action, la réflexion, l'analyse, mais aussi pour certains, la peur. L'UCL n'est pas abonné à Charlie Hebdo, mais l'UCL est abonné à la liberté d'expression. Aujourd'hui, notre université manifeste sa solidarité avec tous ceux qui s'exposent et qui prennent leurs responsabilités. Elle se rassemble autour des valeurs inaliénables de la liberté de penser et d'expression, de l'indépendance et de la résistance à toutes les intolérances. Messieurs les ministres d'État, Monseigneur, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'université, chers collègues, chers étudiants et très chers diplômés. Les universitaires écrivent des articles, des livres, interviennent par leurs écrits et leurs mots dans l'espace public, à la fois pour faire avancer la science et pour communiquer, mais aussi pour être des agents de changement. Leurs paroles, leurs écrits, sont moins soumis aux réactions violentes que les écrivains ou que les caricaturistes. Mais leur responsabilité sociale n'est pas moindre. Nos voix et nos écrits se joignent aujourd'hui à ceux de nos invités pour dire ensemble notre volonté d'être des témoins engagés, plus encore, des acteurs de transformation sociale. Celle-ci passe par la science, la connaissance, l'éducation, les médias, le théâtre, la littérature, les essais, toutes ces manifestations de l'esprit qui font l'honneur de l'humanité et l'aident à dépasser les obscurantismes. Nos expertises scientifiques, techniques et critiques permettent de mieux comprendre le monde, d'éclairer les débats, de rendre ce monde plus ouvert, de diminuer les inégalités et de combattre toutes les formes de violence. Eve Esner, André Brink,
Jean-Claude Guibaud, No, Dr. Honoris Causa 2015, vous incarnez magnifiquement l'audace de celles et ceux qui refusent que notre contemporain se laisse écraser par la violence et la peur. Les mots et votre détermination sont votre arme. Par votre acte d'écriture, vous donnez la parole à ceux qui souvent ne l'ont pas. Evansler, playwright. The power of your writings is in its ability to defend women and girls around the world with confidence and without fear. With the play The Vagina Monologue, Les Monologues du Vagin, translated into 50 languages, you shake up your audience. With the support of UNICEF, you founded the City of Joy in Congo, a shelter for thousands of women who were victims of violence. There are no reason for women to be less than men. No reason for women to be more modest than men. You inspire women to transform their pain to power. You defend all women. André Brink, vous êtes un des plus grands auteurs contemporains issus d'Afrique du Sud, pays auquel vous êtes viscéralement attaché. Votre talent d'écrivain, vous l'avez mis au service de votre peuple, contre l'apartheid. Pour défendre vos idées, vous avez résisté à la censure, à l'isolement et à toutes les vexations. Libre et responsable, votre œuvre a eu un immense retentissement. Jusqu'à cette image personnelle de mon oncle Jean-Pierre, aujourd'hui décédé et dont le fils se trouve dans la salle, qui vous lisait, il y a 30 ans, en afrikaans et en anglais, dans des livres l'un à côté de l'autre. Jean-Claude Guibaud, écrivain, éditeur, vous avez mené une brillante carrière de journaliste qui vous a mené aux quatre coins du monde. Vous témoignez, mais surtout, vous alertez. Vous décortiquez les mutations de notre société et vous refusez de qualifier de crise ces mutations. Les mutations géopolitiques, économiques, biologiques, numériques et écologiques bousculent nos sociétés et forment un système que vous tentez de décortiquer. Vous refusez de vous laisser contaminer par le pessimisme et vous faites preuve d'un optimisme que vous appelez stratégique. Car, dites-vous, il repose sur l'idée mille fois vérifiée selon laquelle le pessimisme est auto-réalisateur. Vos armes, à tous les trois, ce sont les mots. À côté des mots de la recherche analytique, il y a les mots qui bousculent, qui osent déplacer les lignes vers plus de justice, d'espérance, vers plus de vie aussi, et de mouvement. Je formule le vœu que la communauté universitaire ici présente, que nos 30 000 étudiants, que nos 150 000 alumni s'emparent, eux aussi, de mots et de sens, et que tous nous nous inspirions de la compatibilité de nos nouveaux docteurs honoris causa avec la conviction que la dignité et la liberté doivent être défendues par tous et partout. Je vous remercie. Parler aux autres, écouter les autres aussi, apprendre à écouter. Et l'avantage, me semble-t-il, de quelqu'un qui écrit, c'est qu'avant de poser des mots, il faut les peser, il faut en connaître la portée. La force de l'écrit, je pense, c'est sa pérennité, sa capacité à rester et à pouvoir aussi être partagé. Écrire, faire face, oui, c'est évidemment se mettre d'une façon décalée par rapport au monde. Dans une société où ce qui nous est présenté comme de la vérité est souvent proche de la fiction peut aussi amener peut-être plus vers la vérité. Mais le plus important, c'est sans doute cette tension interne qui fait qu'on ne peut pas rester sans rien dire. C'est vrai que l'image peut aider, le son peut aider, mais on n'a encore rien trouvé de mieux dans le génie humain que des mots
pour dire les choses et mettre des mots là où oui, ça fait mal. Schrijven als vorm van verzet is heel belangrijk, denk ik, omdat een schrijver altijd een soort geweten is, een geweten van een samenleving. In het geval van iemand als André Brink kunnen we heel mooi zien hoe de problemen in de jaren 60, 70, 80 met het apartheidregime, op welke manier dat een auteur als Brink taboe doorbrekend werkt en eigenlijk de internationale gemeenschap laat zien wat er allemaal fout gebeurt. À la fois faire du roman, c'est-à-dire donner une émotion intense à ses lecteurs, et à la fois le faire parcourir d'un éveil de leur intelligence. Vous savez, le rôle d'un écrivain, c'est aussi de donner des armes à ses lecteurs. Et je pense qu'il faut parfois oser les choses, comme Evensler a pu le faire. Elle a libéré la parole par rapport à ça. Donc aujourd'hui, d'une manière assez décomplexée, les femmes peuvent parler plus librement de ce thème-là, quoi, de leur vagin, de leur sexualité. À quel point notre société a vis-à-vis du corps humain, a des mécanismes qui sont extrêmement violents et contre nature, je dirais. Donc c'est clair que Evensler, elle fait un boulot d'utilité publique mondiale. C'était extrêmement choquant pour beaucoup de gens et aujourd'hui je pense que beaucoup de gens se disent justement bah, c'est une pièce qu'il faudrait pouvoir montrer à toutes les petites filles un jour. La lecture nous permet d'accéder à l'autonomie et l'autonomie c'est important parce que c'est le fondement de la liberté. Écoutez, pour moi écrire je crois que c'est une façon de m'expliquer à moi le monde incompréhensible et particulièrement le monde de la violence. Pour ce qui concerne plus particulièrement Jean-Claude Guibaud, la notion de révélation, puisqu'il a été reporter de guerre pendant de longues années, qu'il a ramené dans nos sociétés qui n'étaient pas en guerre à ce moment-là, il a ramené des faits de guerre épouvantables et puis il s'est confronté aussi à la sinistrose qu'il y a dans nos sociétés. Propriété essentielle de l'acte d'écrire, c'est aussi pouvoir rendre compte de la complexité, que ce soit sur le plan intellectuel, factuel, mais également émotionnel. Je pense que c'est aussi ça tout l'intérêt de son travail. Donc c'est à la fois alerter, mais aussi mobiliser d'une certaine manière, mobiliser les énergies pour que ça change et faire en sorte que le travail d'information ne soit pas simplement dans un flux négatif, mais travailler aussi l'optimisme de la volonté. Écrire, c'est prendre le temps de se connaître soi-même pour pouvoir aller vers les autres. Il y a un côté extraordinairement intime dans la relation à l'écrivain et cette intimité fait que tout passe comme si on est des frères jumeaux. Et donc mais les livres sont des amis. J'en ai fait, oui, c'est mes amis pour comprendre la vie, pour organiser mon métier, sont évidemment des alliés extrêmement forts. Quand j'ai besoin de me rassurer parfois sur certaines choses, je vais dans ma bibliothèque, j'aime bien poser la main. Il y a des amis. On a besoin d'avoir pas seulement un grand-père dans sa bibliothèque, mais tous ses ancêtres dans la bibliothèque. Et de pouvoir aller puiser ça, respirer ça aussi. Donc c'est la force de l'écrit, c'est de perdurer et de nous rappeler qu'il y a des combats qu'on a menés, que nos aïeux ont menés. Et qu'il y a une histoire qu'on ne peut pas oublier. Des auteurs, des poètes, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens d'être entendus. Et de le faire partager aux autres sans aucune censure, sans aucun retrait, si ce n'est celui de vouloir faire avancer une société. Je suis absolument consciente qu'on a besoin de gens, des héros, quoi, des gens qui prennent la parole, qui partent un peu au combat. Ceux qui osent dire ce qu'ils voient, ceux qui osent dénoncer, ceux qui osent bousculer justement les convictions et les idées reçues, on doit les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut progresser, mais il faut les défendre parce qu'ils sont en danger.
Mesdames, Messieurs, il existe de nombreuses façons d'écrire et la mise sur papier de notre pensée peut revêtir de nombreux objectifs. Amuser, surprendre, émouvoir, bousculer, alerter, résister. L'écriture par l'engagement et l'engagement dans l'écriture sont les points communs des trois personnalités mises à l'honneur par notre institution cette année. Jean-Claude Guibaud, André Brink, Evensler, votre écriture a fait un choix, celui de mettre en lumière des dérives de notre monde, d'avertir et d'attirer l'attention des citoyens sur les transformations récentes dans nos sociétés et les marques d'oppression qui les traversent. Par ses écrits multiples, Jean-Claude Guibaud nous alerte sur de nombreuses évolutions des sociétés contemporaines. Renversement des croyances, montée du consumérisme et du technologisme, résurgence des intégrismes devant le métissage des cultures, responsabilité prépondérante des médias dans l'affaiblissement du pouvoir critique des espaces délibératifs, enjeux écologiques, peu de sujets échappent à votre analyse. Mais au jour d'une recrudescence de certaines peurs et des crispations sécuritaires, l'heure n'est pas pour autant au repli sur soi et au cynisme comme protection contre la désillusion. C'est l'espérance et les alternatives en construction, la vivacité de la société civile en Espagne chez les indignés ou ici en Belgique que M. Guibaud veut encenser pour explorer les possibles démocratiques et tenter de construire tout autre chose. L'UCL n'a d'ailleurs pas attendu l'occasion de cette cérémonie pour honorer Jean-Claude Guibaud puisque depuis de nombreuses années, son principe d'humanité fait partie de l'enseignement de nos juristes. Ces écrits exposés sont une marque de reconnaissance importante de la part de professeurs qui font le choix de considérer réflexion sur notre monde en transition et culture comme les parties intégrantes d'un enseignement critique et citoyen. Développer dans nos cursus une dimension sociétale, c'est un beau témoignage que l'UCL fait de l'œuvre de M. Guibaud et que nous espérons voir toujours plus s'approfondir. Nous ne pouvons également qu'espérer que la célébration d'aujourd'hui permettra à l'UCL de continuer d'écrire, elle aussi, pour alerter, s'engager et explorer les possibles dans une société qui a tant besoin d'alternatives. Si écrire permet d'analyser la société qui nous entoure, c'est un acte qui permet également d'en appeler des changements. Ainsi, André Brink et Evensler se sont attachés à mettre en lumière les facteurs d'oppression, résister face aux inégalités et dénoncer un système qui organise la domination de certains groupes sur d'autres. Avec la publication du livre « Une saison blanche et sèche », roman contenant l'histoire d'un Afrikaner enquêtant et découvrant peu à peu la réalité du régime d'apartheid sud-africain, André Brink a dénoncé l'oppression institutionnalisée mise en place par un régime raciste. 11 ans plus tard, Nelson Mandela mettait fin à ce système et rétablissait la démocratie en Afrique du Sud. Monsieur Brink, vous avez contribué à mettre en lumière l'une des formes de racisme les plus radicales de notre époque d'après-guerre. Votre écriture est un appel à la vigilance contre la remontée de toutes les formes de racisme et de xénophobie. De la résurgence des partis d'extrême droite au contrôle aux faciès, il serait en effet bien naïf de considérer que ces dangers sont aujourd'hui hors de portée. Il est impossible de parler d'apartheid sans citer les cas palestiniens dont vous avez relaté la découverte dans votre livre « Mes bifurcations ». En Israël et dans les territoires environnants, qui sont sous le contrôle de son gouvernement, instrumentalisé par la peur, une ségrégation méthodique a toujours cours aujourd'hui. Souscrivant à l'appel signé par Evensler ou encore Judith Butler, que nous avons eu l'honneur d'accueillir cette année, nous ne pouvons qu'encourager l'UCL à œuvrer au travers de ses relations académiques pour aider à rétablir l'égalité entre communautés et la paix en Israël et Palestine. De même, chez nous, elle peut agir dans la résistance face aux tentations discriminatoires et à la recrudescence de la xénophobie. La xénophobie et le repli identitaire constituent une marque d'oppression fréquente dans notre société. Une autre est celle liée au genre. Evensler, pour dénoncer les inégalités de genre, et plus particulièrement l'oppression des femmes, faut bousculer les cadres de pensée. Depuis que les lois ont formellement établi l'égalité de principe entre hommes et femmes, les marqueurs et mécanismes de notre société masculiniste sont devenus plus insidieux. Ils sont économiques, quand le salaire moyen d'une femme est 25% moins élevé que celui d'un homme. Ils sont politiques, quand l'on constate l'existence d'un plafond de verre dans les structures dirigeantes des organisations qui composent nos sociétés. Ils sont aussi culturels et langagiers. La lutte contre l'oppression de la femme par le langage, remplir le sens des mots pour combattre les mots, tel a été votre combat.
En nommant ce qu'on ne nommait pas, en mettant en lumière des situations intimes, vous avez contribué à libérer une parole sur la sexualité et à ouvrir une discussion à une époque où elle était encore taboue. En créant V-Day et la campagne One Billion Rising, vous avez mis le problème des violences exercées contre les femmes au centre de l'agenda, tout en donnant des moyens aux associations de défense de femmes pour les combattre. Le chemin pour arriver à un monde libéré des oppressions du genre est encore long. Notre institution, ici à l'UCL, aussi peut y participer. Nous saluons à cet effet les efforts réalisés par la constitution d'un conseil rectoral mixte et à la création du poste de conseillère du recteur à la politique de genre. Le plafond de verre existe cependant toujours à l'UCL et l'égalité homme-femme et la question plus large du genre et de l'inclusion des LGBTQIA au sein de l'UCL doivent rester un combat de tous les instants. Écrire, faire face, bousculer, alerter, résister. Nous sommes heureux de fêter aujourd'hui trois auteurs porteurs de valeurs qui nous sont chères. Au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, la remise du titre de docteur honoris causa à ces trois personnalités prend une tonalité toute particulière. Écrire, c'est en effet exercer notre droit à la liberté d'expression. Mais écrire, c'est aussi un outil puissant qui peut contribuer à déconstruire les préjugés, à expliquer, nous aider à nous prémunir contre les généralisations et discriminations, travailler le vivre ensemble et la tolérance de nos sociétés. Nous ne pouvons qu'espérer que les écrits de Jean-Claude Guibaud, André Brink et Eve Ensler puissent nous inspirer et être des moteurs pour l'action de notre université dans son enseignement, sa recherche et son service à la société. À l'âge des incertitudes, bousculer nos croyances, alerter la société, résister et faire face aux enjeux du XXIe siècle sont une nécessité pour les acteurs de la société de demain s'ils veulent mieux la comprendre et préparer les utopies du temps présent. Merci à tous. Avant-propos, la sagesse populaire veut que tout choix s'accompagne de l'élimination d'autres choix. À un moment donné de l'élaboration d'un tableau, le peintre peut prendre la décision de peindre une surface donnée en, disons, rouge, bleu ou vert. S'il décide de la peindre en rouge, il élimine d'office le bleu et le vert. Une solution, souvent mise en œuvre par Picasso, consiste à exécuter une série de tableaux, l'un rouge, l'autre bleu, l'autre vert, et ainsi de suite. Il suit le développement de chaque option jusqu'à ce que se présente un nouveau choix. À ce moment-là, se profile un nouvel éventail, exploration du rond, du carré, d'une autre forme, et le peintre suit là encore chaque possibilité jusqu'à ce que la route bifurque à nouveau. Cependant, même si tout cela débouche, disons, sur 128 ou 256 tableaux, le choix demeure circonscrit. Le peintre ne peut suivre chaque possibilité jusqu'au bout. Après tout, il ne s'agit pas de suivre un ensemble de choix, mais de laisser ouverte la question même du choix. Imaginez que tous les choix coexistent pour l'éternité. Il me revient à l'esprit une interview de William Kenrich à l'époque de sa mise en scène de la flûte enchantée. La pensée peut bien suivre un chemin particulier, n'en demeure pas moins tous les autres chemins délaissés, tous les autres chemins auxquels on réfléchit ou ne songe pas encore, dans lesquels la langue peut se lancer à différentes étapes du parcours. Il parle d'une autoroute de conscience, d'un couloir de circulation unique, mais doté de nombreuses voies et de différents objets qui se déplacent sur ces différents couloirs, dépassant, s'arrêtant, quittant l'autoroute. Cette description s'applique assez bien à la texture de ses mémoires.
À mes yeux, lors de leur rédaction, au cours de ces 2-3 dernières années, chaque composante est devenue une sorte d'agrégat autour d'un éventail de possibilités, dont chacune pourrait être considérée comme une route ou un chemin. À tout moment, de nouvelles pensées sont susceptibles de s'écarter de celle qui m'a préoccupée d'abord et de m'inviter à les suivre. Je sais qu'en temps voulu, je reviendrai sur la première voie, mais pour l'heure, l'autre ou les autres possibilités stimulées par un nouveau travail peut ou peuvent mener à l'exploration d'autres directions. Même s'ils paraissent déroutants par moments, le chemin, les chemins sont bien là. Ils existent pour les bifurcations qui, chaque fois, lancent de nouveaux défis aux voyageurs et ils en dérivent tout leur sens. Il est étonnant qu'on n'ait même pas besoin de choisir entre les deux modes opératoires, le chemin qui bifurque et la possibilité d'une série infinie de bifurcations. Un choix n'élimine pas les autres, qui peuvent continuer à exister comme possibilité, même après qu'on a apparemment fait un choix initial. J'ai beau suivre Robert Frost, qui, dans son poème « The Road Not Taken », « La route délaissée », choisit le chemin le moins emprunté, tous les autres plus fréquentés n'en continuent pas moins d'exister, aux alentours et derrière celui que j'ai choisi. Rien n'est jamais vraiment éliminé. Les choix éliminés continuent d'exister aussi sûrement que les rares dont on peut dire qu'ils ont été retenus. De même que le non dit persiste dans ce qui est exprimé. Il est fort possible que ce soit cette coexistence qui, finalement, pour autant qu'il y ait une fin, définisse la texture d'une vie. Et cette texture peut encore être enrichie si l'on y ajoute la notion d'hérésie dans l'acceptation originelle du terme « le choix ». Monique Zerder-Chardovoir l'explique bien. Le mot « hérésie » dérive du mot grec qui signifie « choix ». Pour que l'hérésie puisse exister, il faut d'abord une idéologie, une foi à laquelle la communauté adhère. Au sein de cette communauté doivent aussi coexister des gens qui s'en distancient, qui n'acceptent plus les vérités reçues, préférant choisir par eux-mêmes. Dans ce cas, notre bifurcation, le traditionnel « soit, soit », est remplacé par une notion infiniment plus complexe, à la fois et. Il ne reste alors plus aucune place aux réponses directes ou définitives. Ceci ou cela peut être vrai, mais en même temps, quantité d'autres options peuvent l'être aussi. Dès que se présente une bifurcation en chemin, empruntons-la. Au diable la frilosité. André Brink, Mes bifurcations, 2010. Mesdames, Messieurs, cher André Brink, résister, faire effort contre l'usage de la force, s'opposer à, lutter, se défendre. Toute force peut rencontrer une résistance. Tout système peut connaître une opposition. Tout ordre peut susciter une réaction de lutte ou de défense. Qu'elle soit pacifique ou armée, la lutte contre l'ordre établi est toutefois décrite en des termes différents selon le point de vue ou l'époque. Les exemples sont légion d'individus qualifiés de séditieux ou terroristes par les uns et résistants, voire martyrs, par les autres. Je songe à l'Europe sous occupation allemande, au conflit israélo-palestinien, au renversement de pouvoir au Rwanda ou dans toute autre région du monde. Alors quoi ? Terroriste pour l'un, résistant pour l'autre ? Le terroriste ne devient-il résistant que lorsque la cause qu'il défend finit par l'emporter ?
Je n'entends pas me risquer à une leçon de morale ou d'histoire. Laissez-moi plutôt, cher André, raconter votre histoire. Peuplée par les Bochimans, les Hottentots, puis les Bantous, l'Afrique du Sud est colonisée par les Néerlandais dès le XVIIe siècle. Huguenots français, contingents d'esclaves javanais et malgaches, grossissent la colonie, favorisent le métissage et l'émergence d'une nouvelle langue, l'Afrikaans. Les Anglais débarquent au XIXe siècle. Les colons néerlandais, les Afrikaners, sont reflués vers le nord, poussés au contact avec Zoulous et autres Xhosa. Le conflit durera plus d'un siècle. Se soldera par deux guerres anglo-bourg, la victoire anglaise et le retour au pouvoir des Afrikaners par les urnes au milieu du XXe siècle. Pouvoir dont sont naturellement exclus les 80% de Noirs et de Métis. La population noire continue de croître. Expérimentés, les Afrikaners durcissent le dispositif ségrégationniste mis en place par les Anglais, tout en s'affranchissant de la tutelle britannique. C'est l'apartheid. Les Noirs n'ont pas droit à la propriété, à la libre circulation, à la culture, ni à une éducation digne de ce nom. Tout acte de résistance est brutalement réprimé. À titre d'exemple, il y a moins de 30 ans, en Afrique du Sud, il aurait été surprenant de compter dans une assemblée comme la nôtre le moindre noir ou homme de couleur. Il ne s'agit pas, mesdames et messieurs, de vous inciter à vous retourner vers votre voisin pour voir s'il est plutôt chocolat, café au lait ou pâle comme un linge, mais d'ouvrir à travers ce moment de gêne passagère une minuscule fenêtre sur la réalité du régime d'apartheid. Cher André, né en 1935 de père magistrat et de mère enseignante, vous grandissez dans la tradition afrikaner-calviniste et le contexte de violence inhérent à l'histoire de votre pays. Vous étudiez la littérature dans une université afrikaner. En outre, depuis l'enfance, vous écrivez romans et pièces de théâtre avec fascination, entêtement, acharnement. C'est en écrivain publié que vous débarquez à Paris en 1959 pour poursuivre vos études. Multipliant les rencontres avec des étudiants, des écrivains, des artistes d'origine diverse, c'est à cette époque que vous situez votre prise de conscience des fondements iniques de l'apartheid. Singulièrement lors d'un matin de mars 1960, où dans le jardin du Luxembourg, vous désespérez de comprendre ce qui a pu entraîner votre pays jusqu'à l'horreur du massacre de Charpeville, dont vous venez d'être informé. Déplorant le contexte social, moral, religieux, que vous jugez à l'origine de l'aveuglement des Afrikaners, vous rejoignez dès votre retour les Estiers, groupe d'écrivains décidés à bousculer les tabous d'une société puritaine, conservatrice, repliée sur elle-même. Avec la parution de Lobola, l'ambassadeur, orgie, vous vous attirez les foudres du clergé. On vous accuse de pornographie, de libéralisme à la solde de l'ennemi anglophone héréditaire, voire de communisme. Les événements de mai 68, dont vous êtes témoin lors d'un deuxième séjour en France, vous renforcent dans votre détermination à vous élever contre l'apartheid. Votre roman, Au plus noir de la nuit, raconte une histoire d'amour entre un noir et une blanche. Il est le premier écrit en langue afrikaans à être censuré en Afrique du Sud. Blessé, vous le traduisez vous-même en anglais et le publiez à l'étranger. Vous écrirez désormais simultanément en afrikaans et en anglais pour contourner la censure. Récompensé par de nombreux prix et distinctions, vous connaissez un succès international. Vous êtes devenu un symbole, cher André, un symbole de résistance pour toute une génération, avec Une saison blanche et sèche qu'on a lue sur les bancs de l'école, avant de le voir au cinéma, entre Gandhi et Cry Freedom, tremblant pour les enfants de Soweto, boycottant les boîtes de Nesquik dans les supermarchés, battant le pavé des rues de Bruxelles pour conspuer la Dame de Fer et son soutien à l'apartheid. Mais dans le contexte d'isolement dans lequel s'est plongé votre pays,
Cette reconnaissance internationale signera pour vous le début d'une spirale d'ennui, d'intimidation, de menace. Renégat pour les Afrikaners, vous résistez pourtant à la tentation de l'exil. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite de l'Université du Cap, dans une Afrique du Sud à la croisée des chemins. Par l'acte d'écrire, humblement, mais sans plier l'échine, vous avez fait preuve à l'endroit de votre peuple de la même loyauté que celle que vous ont témoigné vos proches dans l'adversité. Avec cette leçon d'existentialisme qu'est votre propre vie, l'homme n'est pas déterminé d'avance par son essence, mais est libre et responsable de son existence, noir ou blanc, ou tout, ou tutsi, juif ou arabe. N'y a-t-il pas là de quoi nous submerger de morale et d'histoire ? En conséquence, j'ai le plaisir et l'honneur de demander à Monsieur le Recteur de vous accorder le grade et vous décorer des insignes de docteur honoris causa de notre université. Merci. Attendu que M. André Brink, né le 29 mai 1935 à Vré, en Afrique du Sud, est diplômé en langue anglaise et afrikaans de l'université de Potchefstroom, docteur en lettres de l'université de Rhodes à Grahamstown et docteur honoris causa en lettres de l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Attendu qu'il ait été désigné professeur de littérature afrikaans, néerlandaise et anglaise à l'université de Rhodes, puis professeur de littérature anglaise à l'Université du Cap. Attendu qu'il est l'auteur de nombreux essais, pièces de théâtre et romans, parmi lesquels Au plus noir de la nuit, Un instant dans le vent, Rumeur de pluie, Une saison blanche et sèche, Un acte de terreur, Les imaginations du sable, Les droits du désir, Au-delà du silence, et plus récemment, Philidia. Attendu que, rompant avec la tradition puritaine afrikaner, il a incarné par ses écrits une posture libérale, dénonçant le rigorisme, la condition de la femme et la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Attendu que, au nom de la liberté irriguant toute son œuvre, il a cessé de pourfendre la politique d'apartheid élaborée et défendue par ses compatriotes. Attendu que, bousculé par les scandales consécutifs à l'apparition de ses écrits, meurtri par les désaveux, les pressions et les interdictions, acculé par les menaces, intimidations et atteintes à sa vie privée, il a été contraint, pour contourner la censure, de rédiger l'ensemble de ses ouvrages simultanément en afrikaans et en anglais, leur assurant ainsi une diffusion mondiale. Attendu que son œuvre a été traduite en 36 langues, qu'il en est lui-même l'auteur de plus de 70 traductions littéraires depuis le français, l'allemand, l'espagnol et l'anglais vers l'afrikaans, ainsi que de l'afrikaans vers l'anglais. Attendu qu'il a été récompensé 3 fois par le Central News Agency Literary Award, qu'il a obtenu 2 fois le prix Herzog et qu'il a été nominé 2 fois pour le Booker Prize, qu'il est en outre titulaire de nombreux autres prix et distinctions, dont le prix Médicis étranger en France, le Premio Mondello en Italie, le prix Monis Magnan des droits de l'homme en Suède, le prix Martin Luther King en Grande-Bretagne, qu'il a été fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres et officier de la Légion d'honneur en France. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. André Brink, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, on a l'habitude, en faisant un discours académique, de commencer en adressant M. le recteur, les doyens des différentes facultés, les chefs des départements, les professeurs, pour terminer avec les étudiants tout à fait en bas. Moi, je propose de le faire à l'inverse, parce que je voudrais d'abord m'adresser à ceux des étudiants qui posent des questions, qui cherchent des réponses, qui ne sont pas du tout sûrs des réponses, qui essaie de travailler dans les ténèbres pour trouver au-delà la possibilité d'une réponse. On n'est jamais sûr à l'avance qu'on l'aura. Mais avant de commencer à chercher des réponses, il faut commencer avec la grande parole dite par la fille de Créon, roi d'Athènes ou tyran d'Athènes, Antigone. Antigone qui était le premier dans l'histoire, qui était devenu vraiment célèbre parce qu'elle savait dire non au moment le plus important de sa vie, où elle avait à choisir entre la vie et la mort, où elle se trouvait sur une bifurcation où on ne lui voulait pas laisser de choix et où tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de dire non. On m'a dit il y a plusieurs années que si jamais on ne sait pas comment faire ça, il disait qu'il y avait une petite fille de 7 ans et qu'elle sait exactement ce qu'elle veut dire quand elle dit non. Quand elle a décidé de ne pas accepter ce que lui proposent ses parents et les autres autour d'elle. Ça, c'est une continuation du grand nom d'Antigone, qui pour moi reste l'exemple le plus important du monde de savoir comment réagir devant ce qui nous impose les autorités à n'importe quel moment de notre vie, ce qui essaie toujours de savoir mieux afin de pouvoir nous diriger, ceux qui prétendent savoir plus que nous et donc insister qu'on les suit. Pour moi, c'est une question jamais de « je suis Charlie ». Suis dans le sens de l'être, mais suis aussi dans l'autre sens de suivre dans les pas de quelqu'un qui essayait de trouver la route à travers les ténèbres vers un but qui n'est pas encore sûr, qui n'est pas encore clair, mais qu'on essaie de définir, qu'on essaie de reconnaître dans les ténèbres. Et c'est là, pour moi, l'aventure la plus grande de la vie. De suivre les traces qui mènent, on ne sait pas encore où, mais en espérant, parce que c'est une expression de l'espoir. Et pour moi, c'est surtout l'espoir, l'espérance qui pousse l'être humain vers des solutions possibles à toutes les questions que lui posent
la vie. On encontre un peu partout les possibilités de questions. On cherche donc partout la possibilité des réponses. On n'est jamais sûr à l'avance ce que sera que la réponse. Mais ce qu'on ressent, c'est le savoir de la nécessité de devoir trouver des réponses, de devoir trouver des solutions aux questions que nous pose la vie même. Parce que c'est seulement en confrontant les questions, en essayant de trouver des réponses, surtout quand on ne sait pas à l'avance que peut-être les réponses. Donc la nécessité de confronter les ténèbres, de, comme le disait Baudelaire, plonger au fond du gouffre pour trouver du nouveau. Puis lui, c'était toujours une question de trouver le nouveau parce qu'il trouve au centre du nouveau les possibilités des réponses au néant. C'est en cela que, dans un certain sens, on peut dire qu'il était le prédécesseur de Camus, qui pour moi est toujours le phare le plus important de ma vie, qui me montre d'un moment à l'autre la possibilité d'un choix, la nécessité de faire des choix. Parce que pour lui, comme pour beaucoup d'autres, qui pour moi restaient et restent les phares importants qui m'ont tracé la route possible à travers des ténèbres vers la lumière assez feinte, assez faible d'une réponse, surtout quand on ne sait pas à l'avance ce que serait la réponse correcte. Parce que c'est là le seul triomphe dont peut se vanter l'être humain, d'aller à l'encontre des questions afin d'essayer de trouver des réponses. Si on savait à l'avance ce que serait la réponse, il n'y aura pas d'aventure, il n'y aura pas de choix véritable. Parce que c'est surtout en ne sachant pas à l'avance, en plongeant au fond des ténèbres, en essayant de trouver des réponses, qu'on peut continuer un pas à l'autre, un petit pas à l'autre. C'est toujours une question d'aller de plus en plus loin, en sachant, en ne sachant pas ce que c'est que la véritable réponse, si véritable réponse existe, et sans certitude, armé simplement avec l'incertitude, la seule certitude pour l'individu étant justement son incertitude, mais aussi la joie de trouver des réponses, de continuer à chercher des réponses, surtout quand il n'y a que les ténèbres qui l'entourent. Et essentiellement, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. La nécessité de continuer à chercher des réponses et à dire non, comme le faisait Antigone, en face des certitudes du pouvoir qui nous entoure. Parce que notre lutte, c'est d'abord contre tout et toute expression du pouvoir. En face du néant,
afin de se plonger au fond de la joie, de l'incertitude et de la nécessité de continuer à voyager, de continuer à poser des questions. Merci. Guide de survie d'une adolescente face à l'esclavage sexuel. Bukavu, République démocratique du Congo. J'habite à Bukavu, République démocratique du Congo. Mais je pense que ce guide peut s'appliquer à n'importe quelle fille dans le monde. Les gens me demandent tout le temps comment j'ai survécu. Ce n'est pas que je sois plus intelligente ou plus forte que les autres. Je ne savais même pas ce que je faisais. C'est juste que quelque chose à l'intérieur de moi ne pouvait pas accepter. Mes amis ont été capturés en même temps que moi. Je ne pense pas qu'on les ramènera un jour. Règle numéro 1. Passe au-dessus de ce truc de fille. Ça ne peut pas m'arriver, pas à moi. Lorsque ça arrivera, et crois-moi, ça arrive à des milliers d'entre nous, tu ne voudras pas y croire. Tu penseras que ce sont juste des soldats qui font les imbéciles. Peut-être qu'ils s'ennuient. Ils ne pourraient pas me faire de mal, m'attraper les bras et les jambes aussi violemment, me jeter dans leur camion. Ton cerveau commencera à te dire des choses. Ils ont l'âge de mon père. Ils sont mieux que cela. Ce sera déroutant. Tu te sentiras stupide. Tu auras l'impression que ce qui est en train de se passer n'est pas vraiment en train de se passer. Tu auras le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai vu mes meilleures amies, Alissa, Esther et Sawadi. On était en vacances. On avait pris le bateau, ensemble, de Bukavu à Goma. On s'amusait près du lac, le lac Kivu, un lac immense. Il faut 5 heures pour le traverser. On avait bu du Fanta, en se moquant de la coupe de cheveux un peu folle d'Esther. On était allé à Goma pour nager et se balader un peu. On était allé faire du shopping. Sawadi s'était acheté ses chaussures dorées. Je me souviens avoir pensé que je voulais les mêmes, mais je ne voulais pas qu'elle pense que je la copiais. Quand nous sommes sortis du magasin et avons descendu cette rue, cela ne semblait pas réel. Quelques instants plus tôt, on faisait du shopping et maintenant, ces soldats complètement dingues. C'est pour ça qu'elles n'ont pas couru. Je voulais courir, moi, mais je ne voulais pas les abandonner. C'est quand on a voulu résister qu'on a compris à quel point c'était grave. Un des soldats, le plus fort du groupe, s'était mis à frapper Alissa et elle criait. Mes meilleures amies criaient et pleuraient. J'étais très calme. C'est mon truc à moi. Je n'allais pas laisser ces soldats voir quoi que ce soit. Ce qui amène à... Règle numéro 2, ne le regarde jamais quand il te viole. Il t'appellera par ton nom avec cette voix grinçante, pleine d'envie. Il te suppliera de le regarder. Il t'attrapera la tête avec ses grosses mains brutales et sales. Ne tourne jamais tes yeux vers les siens. Ferme-les, ferme les yeux s'il le faut. Il n'est rien, il n'est même pas là. C'est juste une minuscule et toute petite tâche insignifiante. Il n'existe même pas. Règle numéro 3. Creuse un trou en toi, à l'intérieur, puis entre dedans. Il sera sur toi. Il sera assez vieux pour être ton père. Il sentira les bois, l'alcool et la marijuana. Il pressera sa main contre ta bouche. Tu es vierge. Tu n'as que 15 ans. Il te répétera que personne ne viendra pour toi. Imagine que tu danses, pense à ta chanson préférée. Souviens-toi de ta mère qui te tresse ses cheveux et sens ses mains qui te tressent ses cheveux avec une douce fermeté. Tu l'entends t'appeler « Martha, Martha, Martha ».
Règle numéro 4. Ne lui ouvre jamais aucune porte. Refuse la nourriture qu'il t'apporte. Refuse de manger son poisson stupide. Crache dessus. Dis-lui que ta famille ne mangerait jamais un poisson à peine sorti de l'eau. En public, il voudrait que tu fasses des sourires, que tu te comportes comme si tu étais sa femme, alors qu'il est marié à quelqu'un d'autre. Ne souris jamais. Roule-toi par terre dans cette horrible panne chère et sur mesure qu'il t'apporte. Ne ris jamais à ses blagues. Il s'enfoncera à l'intérieur de toi. Il le fera 2 ou 3 fois par jour. Ce ne sera plus douloureux après les 20 premières fois. L'intérieur de ton corps ne t'appartiendra plus. Parfois, il portera de l'eau de Cologne. Fais attention. Cette odeur te rendra compatissante. Ne laisse aucun chemin à ce sentiment. Tu commenceras à ressentir quelque chose pour lui. C'est naturel, après 6 mois. Ce n'est rien de plus que l'habitude. Ça n'a rien à voir avec Claude. Au fait, ne prononce jamais son prénom. Parle de lui en utilisant des mots comme « lui » ou « toi ». « Toi, pousse-toi. Toi, laisse-moi tranquille. » Règle numéro 5. Sa tristesse n'est pas ton problème. Parfois, il aura l'air triste. Toutes ces choses terribles qu'il a vues et faites, tu te sentiras mal pour lui. Tu ressentiras tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il ne ressent pas. Tu as été son esclave depuis bientôt 2 ans. Tu commenceras à croire qu'il n'y a personne d'autre, c'est ta vie. Il est la seule personne qui t'aime. Et un matin, tu vomiras, et alors tu comprendras qu'il t'a empoisonné. Puis cela se calmera et se reproduira à nouveau. Et peu à peu, tu comprendras que tu es enceinte de son bébé. Il te dira que si tu penses une seule seconde à avorter, il te tuera. Refuse de prendre soin de son bébé. Règle numéro 6. Peu importe si tu te fais attraper, mieux vaut mourir en essayant d'être libre. Quand l'opportunité se présentera, sauve-toi, crois au miracle, et dans ta fuite, tu emporteras ton bébé, car au fond de toi, tu sais qu'elle est à toi. Tu prendras ses habits et rien de plus. Tu commenceras à courir et tes jambes seront fortes comme le sont celles de quelqu'un de fort et tu arriveras à réfléchir clair et bien comme jamais tu n'avais réfléchi avant. Et tu entendras ta mère appeler « Martha, cours, cours, cours !» Et tu seras là, juste à l'heure pour le bus. Tu ne regarderas pas par la fenêtre parce que tu sais que les 4 gardes du corps qui t'ont surveillé pendant ces 2 années sont déjà là. Mais tu es dans ton trou et personne ne peut te voir. Et tu te cacheras avec ton bébé derrière un mur chez ton cousin, la même où tu aurais dû passer tes vacances. Et Claude viendra avec les 4 soldats. Ils chercheront et détruiront tout. Et ton bébé ne pleurera pas. Et tu seras invisible. Et le jour suivant, tu arriveras jusqu'au bateau. Et alors qu'il s'éloignera de la rive, tu arrêteras de respirer. Et tu le verras lui et les autres sur le quai à ta recherche. Et quelqu'un désignera le bateau du doigt. Et tu sauras qu'il t'a trouvé, bien que tu sois au fond de ton trou. Alors tout à coup, le capitaine du bateau se tiendra devant toi et te posera une seule question. Quel âge as-tu ? Et tu parleras comme si c'était la première fois que tu parlais. Et tu seras surprise de constater à quel point ta voix est forte et un peu folle. Et tu diras des choses comme « J'ai 17 ans, il m'a prise quand j'avais 15 ans, il m'a violée chaque jour, 3 fois par jour, il m'a donné des maladies et est mise enceinte, il a volé les minéraux de mon pays et ma vie. » Si vous faites demi-tour, je me jetterai dans le lac. Je me noierai et je veux bien mourir si je ne le revois plus, j'emporterai mon bébé avec moi. Et le capitaine mettra une main sur ton épaule. Et tu verras une lumière dans ses yeux que tu assimileras de la pitié. Il ne fera pas demi-tour. Règle numéro 7. Ne te sens pas coupable de la joie que tu ressentiras en apprenant sa mort. 6 mois après ton retour à la maison, dans ton boucavo adoré, tu tomberas nez à nez avec 2 soldats du camp. Ils seront surpris de te voir en si bonne forme. Et ils t'apprendront que Claude s'est fait tuer. Et tu diras, Dieu a fait quelque chose de bien. Et à ce moment-là,
du lait coulera de ta poitrine et tu aimeras ton bébé. Je suis partie en vacances pour 2 jours. Je ne suis pas revenue pendant 2 ans. Règle numéro 8. Personne ne peut te prendre la moindre chose si tu ne la lui donnes pas. Evansler, je suis une créature émotionnelle. 2011. Chère Eve Ensler, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants. L'Université catholique de Louvain vous décerne aujourd'hui, Madame Ensler, les insignes de docteur honoris causa. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être sa porte-parole auprès de vous et de tous vos collaborateurs. Mais aussi, inversement, je suis touchée d'être, en cette occasion, la vigile au sein de notre communauté universitaire des causes que vous défendez, le franc-parler et le refus de la violence faite aux femmes. Notre université entend souligner avec vous la nécessité de bousculer par l'écriture afin de combattre l'inhumain, l'insupportable et l'intolérable. Vous bousculez par votre franc-parler en abordant des questions souvent occultées, en les nommant expressément et en les exprimant publiquement. Vous bousculez par votre liberté d'expression lorsque vous donnez une existence toute neuve à ces réalités de l'ombre qui sont souvent étouffées à force d'être dites à moitié. Vous nommez alors le sexe féminin et la souffrance concrète du cancer. Vous démasquez les faux-semblants sécuritaires. Vous dénoncez les outrages du viol des femmes, des jeunes filles et des petites filles par leurs proches. Vous dénoncez les ravages du viol comme arme de guerre et la violence d'une société qui abandonne ces femmes violées en leur refusant toute solidarité et toute dignité. Écrire pour agir, agir pour écrire. Votre écriture est celle d'une dramaturge, une écriture qui débouche forcément sur la performance théâtrale que vous réalisez parfois vous-même. Si vous accompagnez votre texte, pourtant, vous ne le maîtrisez pas. Il vous déborde en quelque sorte de part en part. En amont, lorsqu'il s'impose à vous à travers les témoignages des femmes heureuses de se confier, mais aussi en aval, lorsque le public s'empare de vos pièces pour les traduire, les jouer et les faire siennes. Écoutez pour écrire, écrire pour écouter. Par le style littéraire des monologues, vous avez réussi à trouver cette voie si étroite de la fiction par laquelle vous donnez la parole aux femmes sans les exposer. En recueillant leurs témoignages et les récits de leur vie, vous leur prêtez votre écoute et ensuite votre plume pour leur rendre une voix et finalement leur donner une parole publique et politique par le jeu des acteurs. Ce qui vous rend apte à écouter et à entendre, c'est sans doute votre propre expérience de la violence intrafamiliale dans l'enfance et de la souffrance physique à l'âge adulte. Donner la parole aux autres sans les exposer et se nourrir de sa propre vulnérabilité sans s'y complaire. Tels sont sans doute les 2 axes profonds qui vous permettent d'écrire des monologues comme autant de biographies solidaires où s'entremêlent votre histoire et celle de vos interlocutrices. Vous offrez ainsi la puissance de votre écriture et de votre humour aux femmes pour qu'elles explorent leurs souffrances, leurs blessures et leurs culpabilités. La violence vise à détruire et éliminer les autres. Votre écriture, au contraire, les remet debout. Remettre debout, c'est aussi l'objectif de VIDÉ, le mouvement mondial que vous avez créé en 1998 pour lutter contre la violence sexuelle faite aux femmes. Au Congo, suite aux atrocités inégalées dont vous avez été témoin, vous avez cofondé la Cité de la Joie, un lieu accueillant où les femmes blessées peuvent guérir et se construire un avenir. Un lieu où les victimes du viol et de la violence de genre redressent la tête. À Panzi, une commune de la ville de Bukavu, vous travaillez en étroite collaboration
avec l'hôpital de votre ami le docteur Denis Mukwege, également docteur honoris causa de notre université. Tandis qu'il répare les femmes, vous leur donnez les moyens de se relever, de revenir vers elles-mêmes, notamment en étudiant l'informatique, l'agriculture ou l'anglais. Être debout pour danser, danser pour rester debout. C'est à Panzi, auprès de vos amies congolaises, que vous avez dansé la vie, alors que vous étiez à peine remise de votre traitement contre le cancer. Vous élevez d'ailleurs la danse et l'humour au statut d'acte politique et révolutionnaire. Plus de 200 pays participent désormais à la campagne que vous avez inaugurée en 2012, One Billion Rising. Vous appelez tous ceux qui, à travers le monde, s'insurgent contre la violence faite aux femmes à danser et à chanter ensemble dans les espaces publics le 14 février. Une révolution qui ne cesse de s'élargir depuis 3 ans et que notre université est heureuse de rejoindre dès cette année dans les rues de Louvain-la-Neuve. Pour vous, en effet, le corps de la femme se meut en rythme et épouse le mouvement de l'existence. Ce n'est pas un corps photographié et stylisé par les canons esthétiques de la consommation. C'est plutôt le corps d'une vie incarnée et mobilisée qui conditionne le sens et l'attachement humain. Dès lors, vous répliquez à la destruction par la vie et par l'écriture, par l'énergie de la joie. C'est en ce sens aussi que vous ne concédez rien à la violence, pas la moindre amertume. Si votre écriture et votre militantisme sont indissociables, c'est bien parce que votre résistance est créatrice, créatrice de liens, de solidarité, de sens pour traverser l'innommable. Résister pour créer dans la joie pour résister. Tel est sans doute le cœur de votre action. Je suis particulièrement heureuse et émue, Monsieur le Recteur, d'avoir l'honneur de vous demander d'attribuer à Madame Eve Ensler le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université et de lui rendre ainsi l'hommage qu'elle mérite. Attendu que Madame Eve Ensler, née le 25 mai 1953 à aux États-Unis, est écrivain et dramaturge, et que ses textes sont reconnus, publiés et traduits dans le monde entier. Attendu qu'elle est lauréate en 2011 du Isabel Stevenson Stony Award, en 2002 du Amnesty International Media Spotlight Award for Leadership, et en 2003 du Freedom of Expression Award of the Sundance Film Festival. Attendu que sa pièce, Les monologues du vagin, a été traduite dans 50 langues et jouée dans plus de 140 pays. Attendu qu'elle a développé le style littéraire du monologue pour donner la parole aux femmes et aux filles sans les exposer, mais en leur prêtant la force de son écriture. Attendu que son écriture vise la franchise et la rupture du silence qui pèse sur le corps des femmes, et que par ce franc-parler, elle agit contre la violence qui frappe une femme sur trois au cours de sa vie. Attendu qu'elle a fondé VIDE en 1998, une association de lutte contre la violence et contre le viol, tant comme moyen de destruction domestique que comme arme de guerre. Attendu qu'avec les bénéfices qu'elle a dégagés de ses droits d'auteur, elle a cofondé la Cité de la Joie à Bukavu, au Congo, où elle travaille en étroite collaboration avec son ami le docteur Denis Mukwege, docteur honoris causa de notre université, et que dans ce lieu d'espoir, les femmes victimes de violences et de viols apprennent notamment l'anglais et l'informatique. Attendu qu'elle a initié et coordonne One Billion Rising Revolution, pour une révolution heureuse des consciences contre la violence et les agressions qui touchent les femmes et les filles dans le monde entier, et qu'elle a ainsi donné naissance à un soulèvement basé sur le corps, la danse et le chant. Attendu que dans son dernier livre, intitulé « Dans le corps du monde », elle relate son combat contre le cancer de l'utérus, lorsque les agressions à la terre et aux femmes se sont soudain rejointes dans une souffrance commune. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Eve Ensler, docteur honoris causa
de l'Université catholique de Louvain. Rector, distinguished honorary doctor recipients, who I'm so honored to be here with, distinguished faculty, distinguished guests, and dear, dear students, ladies and gentlemen, what a pleasure it is to be here today. I'm deeply humbled to receive such an honor from such a great learning institution of Europe, and I'm particularly honored after last year when Dr. Denis Mukwege won it, that you are so deeply, clearly highlighting the struggles of women, particularly around sexual violence in wars around the world. I want to thank Professor Nathalie Fronnieu, who has been such an amazing godmother and support these last days. And I want to take a moment to acknowledge my sister, Christine Schuller-Describer, who has come today from Congo. She is my shiro, my inspiration, my dear friend and sister in struggle. And she is truly one of the great women on this planet. Without her, there would be no City of Joy. She and Dr. Mukwege and I co-founded it. Without her vision, without her leadership and courage, we would not be able to support hundreds of girls who are turning their pain to power. I don't know if you're aware of what it requires to run City of Joy in the Congo. The road she travels every day requires or can take 40 minutes to 4 hours and sometimes actually disappears in a place with no infrastructure, support, in constant conflict and ongoing atrocities and misery. She has managed, almost single-handedly, to birth a lotus in the mud, a place of healing and joy and empowerment. And this has happened through her love, her strength, her fierceness, her mad devotion, her faith that women of Congo will lead Congo into a new time of peace and equality. She is truly a shining light in Eastern Congo, and I hope you will recognize her and celebrate, as she's not only a national treasure of the DRC, but she is a national treasure of your own country. I just would like her to rise. Christine, will you rise so we can acknowledge you? Ernest Hemingway once said that for a writer, the best training was an unhappy childhood. Well, then, I was certainly blessed with the greatest training. From my earliest years, violence determined and created who I was. This was an unbearable state of existence, and I was mad, in a way, insane, a mass of inarticulate pain and self-hatred and guilt, a tangled knot of contorted restlessness and anxiety. I learned early that words, paper, pen would be my salvation. I learned early that only the possible exit from the container of pain was the articulation of the reality of pain. The only way towards possible sanity and survival was attempt to make meaning of the pain and ongoing violence. Of course, everything was against me writing this truth. It would expose the man I loved and needed most, my father. And it would alienate me from the family whose love I needed to sustain and whose affection and approval I craved as food. But I learned in the end that the liberation of truth was far more important than acceptance and comfort. And it was ironically in voicing these truths and secrets that joined me with the others who suffered similarly
offering me the authentic community I desperately needed. I have always been obsessed by the dichotomous nature of reality. What is seen and said, and what exists out of sight. What is spoken and what is actually happening. A father, respected in the community at his job for his intelligence and integrity. Same father who is drunk and abusive with his words and hands at home. Bombing in the name of peace, occupying in the name of liberation. World leaders joined arm in arm in the streets of Paris for freedom of expression. Same leaders who have jailed, flogged, surveilled, arrested, and murdered the outspoken who questioned policies in their own countries. And I believe writing is indeed how we expose secrets in dual realities and begin to weave a whole and restorative fabric of humanity. For 20 years, as part of the V-Day movement in 1 Billion Rising, I've had the privilege and honor to travel the planet and sit with women in villages, in cities, in slums, in fancy living rooms. I've been to over 70 countries. I have listened and inhaled the stories and madness and abuses of women and girls, their pain, their victories. How do we hold the suffering of the world and keep ourselves sane and awake? How do we create a form for our anger and outrage and guilt so we are not destroyed by it or forced to numb ourselves? For me, writing has been the way. When I had stage 4 cancer, writing in the body of the world was part of the healing. Articulating the images in very specific details was a way of transforming the pain in my body and ultimately attaching that suffering to a larger story. As the suffering of the world lives in each of our bodies, whether we are conscious of not. Writing is a way of becoming conscious. How do we find the language to speak of baby girls as young as 3 months old, raped and torn asunder in the Congo to this very day by an economic war of greed and pillaging waged by outside countries on the body of women? How do we shape words that match the depth of isolation and despair of 2 small girls I saw last month in the Tondo slums in the Philippines, forced and perched naked and exposed over a steaming public sewer, their only bathroom? How do we find the words that puncture the stubborn and given constructs of patriarchy and all the attending violences towards women that sustain that pathology? Patriarchy that is as deadly to men and boys in mutilating their hearts and tenderness and capacity for human connection and compassion. Patriarchy, a mindset and practice that is responsible for 1 billion women on this planet being raped, beaten, burned, stoned, cut, oppressed, silenced, and undone. How do we forge a writing that exposes the exploitation of 85% of the world's people who live in criminal poverty and deprivation, where women's bodies are a commodity sold for less than a cell phone? A writing that exposes the 1% of the population that now controls half the wealth of the planet? How do we rip open the denial of our crimes against our Mother Earth in our pursuit of oil and resources and through our hysterical consumption? We cannot take on this whole impossible struggle at once, but what we can do is ask questions. We can tell simple stories about particular people with particular details and images. We can open ourselves as writers and humans and attempt to climb into another as far as we can possibly go, ultimate training for compassion. We can tell of Jane in Bukavu, DRC, who was taken in the midst of the deadliest war on this planet since World War II, where 6 million have died and thousands of women have been raped and mutilated in the pursuit of minerals, particularly coltan that goes into our iPhones and computers. Jane, once attached to forest and earth, forced to flee, raped by soldiers, her body devastated, then months of surgery, sewn and healed, and sent home to be raped again and tied to a tree for months, her body so eviscerated that it was no longer recognizable. Jane, who imagined City of Joy and then went there, becoming a rising leader, giving back 100 times what she received. We can tell the stories of the invisible, the stories that are controversial and difficult, where we risk sacrificing position, fame, or inclusion. In the academy, in the high institutions, where we sometimes are isolated and separated in our boxes and hierarchies of learning, we need to be brave now
and find the language and will to speak out about this very real world which escalates violence, deprivations, racism, exploitations, and hate every day. We need to stop hiding behind analytics and the accumulation of data and the architecture of theories and ideologies and allow ourselves to engage directly with the world around us. We need to listen to the language and the voices inside us that are allied and rooted in the direct experience, and we need to trust that language above any state or authority or institution. We need to use our words to name and rise and revolt against denial, acceptance, and fear that threatens to swallow us at every turn. We need to unleash the language that refuses to behave or be good or say what we think we're supposed to say. We need to find the language that goes beyond our privileges, theories, comforts, and unites us with a local and global reality, a language that calls out the truth of our inseparability, our connection to every person on this planet and every struggle. We need to unleash the language of the body, where our deepest intuition lies and our particular individual authentic knowing. Finally, we need to write and speak and act the language of love. In every quarter, a love that has no shame, no apologies, no borders, no hesitation, a language of love that rises out of us, beyond us, for the others. There is no transformation without confrontation, no elevation without revelation. We need to write and speak a new language, emboldened by our outrage and disgust, empowered by the faith that we can and must be the authors of our own destiny. A language of transcendence, of mutuality, of respect and responsibility, a language that is birthed in our hearts. And I know this is the Academy, but I trust our hearts. I trust our hearts. We need form us to trust and abide and hear the language of our hearts. On February 14, 2015, millions of women and men will rise in villages all around the world. I just heard two nights ago that every province in Afghanistan is rising, all of India, 200 risings in the Philippines, South America, 200 countries. It is the theme this year, 1 billion rising revolution. For the 1 billion and more women and girls on this planet who are being raped and violated, rise in conviction and solidarity to end this violence and to make the world safe for women to prosper and grow. Se lever pour le milliard de femmes et de jeunes filles à travers le monde qui ont été violées et violentées. Se lever par conviction et pour solidarité pour mettre fin à cette violence afin que toutes les femmes puissent grandir et s'épanouir en toute sécurité dans le monde. Voulez-vous maintenant vous lever avec moi? 1 billion rising! Merci. Ce qu'il nous reste d'espérance. J'ai choisi d'appeler un de mes livres « Je n'ai plus peur ». C'est surtout l'adverbe « plus » qu'il faut entendre. À lui seul, il indique que des peurs m'ont longtemps habité. De loin en loin, elles me narguent encore, comme des ennemis repoussés, mais jamais complètement vaincus. Pourquoi le nierais-je ? L'optimisme têtu qui éclaire ma vie n'est pas une donnée naturelle, un privilège physiologique dont le sort m'aurait pourvu à la naissance. Mon ADN n'en porte pas la trace. Il n'est pas congénital.
Il est le produit d'une histoire, avec ses détours, ses larmes et ses impasses. Il a connu des batailles, quelques défaites et des ressaisissements. Quant à la nappe d'espérance où s'abreuve mon optimisme, elle n'est pas un cadeau religieusement reçu et engrangé pour toujours avec la foi chrétienne qui viendrait garantir à vie cette vertu théologale. L'alchimie qui a permis son existence est plus fragilement humaine qu'on ne l'imagine. Il y a là-dessous quelque chose qui participe de l'enfantement, douleur comprise. Oui, une joie m'habite aujourd'hui et me fait tenir debout. Elle nourrit ce que Jean-Paul Kaufmann, dans sa geôle de Beyrouth, appelait l'enchantement d'être vivant. Du fin fond de son enfermement, Kaufmann récitait à l'époque un vers de Jules Supervielle. C'était le temps inoubliable où nous étions sur Terre. Cet éblouissant réflexe de survie s'accompagnait d'une méditation obstinée et modeste. Oui, modeste. Si j'évoque dans ces pages mes peurs et mes blessures, ce n'est pas pour exhiber ce qu'André Malraux appelait un misérable petit tas de secrets. Il s'agit plus simplement de dire comment je suis venue à bout de ces peurs et de quelle façon on arrive toujours à vaincre ce qui nous terrorisait. Ces peurs surmontées ont fait naître une espérance que tout m'invite à partager. Regardons les choses en face, l'espérance devient une denrée rare en Europe. Pire, ce viatique s'amenuise plus vite que le travail, les emplois disponibles, la puissance industrielle ou les anciennes sécurités démocratiques. Et ce n'est pas peu dire. La peur du lendemain et celle du manque, voire du déclin, viennent déjà gâcher nos réveils et assombrir nos journées. Mois après mois, les statistiques nous accablent et le chômage gagne. Peut-être devrons-nous un jour partager pour de bon le travail et les emplois ? On en discute depuis longtemps, cette affaire d'experts et d'économistes. Une chose me paraît beaucoup plus urgente. Il faut partager ce qu'il nous reste d'espérance. Faute de cela, aucune survie collective ne sera jamais possible. Sur ce terrain, comme on le sait, l'injustice est flagrante. Certains ont encore en eux une flamme assez forte pour éclairer la grisaille de ce temps. D'autres n'ont plus la force d'imaginer ne serait-ce que le surlendemain. En évoquant cet impératif de partage, je ne joue pas au Boy Scout. Et encore moins à cette belle âme que l'ironie de Hegel assimilait à un souffle inconsistant. Je ne fais pas l'un de ces vieux pieux qui n'engagent à presque rien. Je songe à des choses beaucoup plus concrètes, physiques. J'allais écrire charnel. J'imagine par exemple ce que font des assiégés ou des naufragés. Quand au bord du désastre, ils se répartissent entre eux les dernières gorgées d'eau potable. Les lèvres sont sèches, les poumons sont en feu. Il s'agit tout bonnement de ne pas mourir de soif. Une telle nécessité a vite raison des égotismes ordinaires et des coquetteries courantes. Nous en sommes là. Un désenchantement mortifère s'étend comme un brasier sur le vieux continent européen. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Jusqu'où ira-t-il ? Que ferons-nous quand il aura tout brûlé, dégageant la voie aux barbaries politiques qui, embusqués, comptent bien tirer profit du désastre. Que ferons-nous ensemble quand personne ne croira plus en rien ? Voilà des années que j'écris des livres pour conjurer ce sombre futur toujours possible et vaille que vaille pour évoquer l'espérance obstinée, aguerrie, qui habite toujours quelques-uns d'entre nous. C'est elle qu'il nous faut maintenant partager en toute hâte, comme on prépare un contre-feu pour stopper l'incendie. Jean-Claude Guibaud, Je n'ai plus peur, 2014.
Mesdames, Messieurs, très cher Jean-Claude Guilbeault, vous nous avez accueillis à Paris il y a près d'un mois, le 7 janvier. Ce jour-là, quelques minutes à peine après notre arrivée dans votre bureau, nous apprenons le terrible attentat survenu à Charlie Hebdo. Cabu, un de vos proches amis, figure parmi les premières victimes. Plus tard, nous apprenons la disparition d'un autre de vos proches, Bernard Maris. Tout au long de cet après-midi, nous partageons votre émotion et vos souvenirs qui se bousculent. Vous nous parlez de vos amis assassinés, mais aussi des conflits armés dont vous avez été le témoin en tant que reporter de guerre. Au milieu de ce tumulte, nous avons pu mesurer votre sagesse et votre humanité. Malgré l'émotion et la brutalité des événements, vos premiers mots vont pour la communauté musulmane, et plus particulièrement pour votre ami, Akram Belkaïd. Votre première crainte est celle de voir les partis d'extrême droite profiter de cette actualité, et votre premier geste public est de partager une chronique dans la revue Sud-Ouest avec votre confrère algérien. Notre rendez-vous s'est transformé en une vraie rencontre, comme vous le dites. Une rencontre personnelle, mais aussi pour nous une rencontre avec l'écrivain et son œuvre. Au fil de vos ouvrages, vous revenez de fait régulièrement sur les thèmes du sens et de l'humanité. En regard à ceux qui inondent la presse de crise et de désespoir, vous préférez les thèmes bien plus positifs de mutation et d'espérance. Et c'est en totale adéquation avec cette pensée que vous avez réagi le 7 janvier. Ces circonstances tragiques ont fait rejaillir dans le débat public certains thèmes qui vous sont chers. Dans la pratique de votre métier de grand reporter puis d'écrivain, vous portez une attention particulière au contexte historique et culturel des événements dont vous êtes le témoin. Vous refusez de limiter l'analyse à un cadre fermé où le bien et le mal s'opposent. Vous acceptez que le temps puisse être long avant de pouvoir comprendre et de transmettre. La liberté de conscience et la liberté d'expression dont nous jouissons offrent à chacun d'entre nous la possibilité de définir sa propre perception du monde et son cadre de valeurs. C'est indéniablement un progrès, même si cela implique que nous acceptions que certaines certitudes puissent être ébranlées. Notre monde se transforme de façon profonde. Ce n'est pas une crise, comme vous aimez à le rappeler, car une crise est un état passager qui implique un retour à une situation initiale. Nous vivons au contraire une série de mutations majeures. Ces mutations sont notamment géopolitiques, sociales, technoscientifiques et écologiques. Elles sont à la source d'une multitude de changements dans notre quotidien. Face à ces mutations et les inconnues qu'elles soulèvent, on peut nier l'évidence par peur ou par facilité. On peut également se rallier sans discernement au discours de masse proposé par les médias et les politiques. Vous choisissez une troisième voie, celle qui consiste à mieux comprendre ces mutations pour en saisir les promesses. Vous remettez nos certitudes en question. Pouvons-nous continuer à consolider par notre mutisme une société qui crée la pauvreté et le refus violent de la différence ? Pouvons-nous continuer à gaspiller les ressources de notre planète pour le projet égoïste d'une minorité ? Devons-nous appliquer un cadre de valeurs au progrès de la science et de la génétique ? Tenter de répondre à ces questions, comme vous le faites, c'est contribuer à définir notre identité. Sur ces points, votre démarche rejoint l'essence même de notre université, de nos métiers d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants. Oui, le monde change. Et plutôt que de recenser les menaces, de pleurer la perte de nos privilèges, de s'inquiéter de demain, vous nous invitez à faire face à l'avenir avec une détermination positive. Vous proposez à vos contemporains, face à tous les défis actuels, d'être des acteurs remplis d'espérance et porteurs d'espoir. Votre expérience de reporter de guerre, longue de 25 années, vous a en effet plongé au cœur de conflits armés. Vous avez été le témoin de sauvageries inhumaines dans de très nombreux endroits du globe, des Balkans au sud-est asiatique, en passant par la Corne de l'Afrique.
Et pourtant, dans chacune de ces guerres, vous avez rencontré des hommes et des femmes qui, malgré les horreurs qu'ils vivaient, ne désespéraient pas et faisaient preuve, au contraire, d'une forte détermination, d'un courage et d'une volonté pour faire face. Comme eux, il nous faut croire en l'homme. La preuve en est que notre société déborde d'initiatives prometteuses et généreuses. Il s'agit de relever les défis les uns après les autres, ensemble, plutôt que de nous enfermer dans un défaitisme égoïste qui n'a pour objet que de protéger notre seul bien-être. Vous pensez qu'il faut affronter les enjeux actuels avec lucidité, sans aveuglement ni crédulité, ce qui suppose une information large et objective. Oser affirmer des convictions haut et fort et se battre contre la désespérance et le pessimisme. Cette espérance doit nous permettre, in fine, de retrouver le goût de l'avenir, de cet avenir qui a vraiment besoin de nous et qui nous demande de réagir. Espérance, gaieté, ces mots sont vos armes. Et c'est avec cet arsenal que vous nous proposez de vivre pleinement cette période de mutation profonde et de saisir l'opportunité de transformer notre société. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur, parce que l'œuvre de monsieur Jean-Claude Guibaud contribue à lever le voile et mettre des mots justes sur les questions qui animent notre société, nous permettant de mieux comprendre pour lutter contre la peur, le repli sur soi et la violence. Parce que monsieur Jean-Claude Guibaud a le courage de relayer l'histoire de ceux qui gardent l'espoir dans les situations les plus inhumaines. Parce que monsieur Jean-Claude Guibaud nous invite par son exemple à transformer notre société en laissant l'autre exprimer sa différence. Nous avons l'honneur de vous demander, monsieur le recteur, d'accorder à monsieur Jean-Claude Guibaud le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université. Attendu que M. Jean-Claude Guibaud, né le 21 mai 1944 à Alger, est licencié en droit et doctorant en sciences criminelles de l'Université de Bordeaux, qu'il est écrivain, essayiste, conférencier et journaliste. Attendu qu'il exerce avec passion son métier d'écrivain et est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « La trahison des Lumières »,« La tyrannie du plaisir »,« Le goût de l'avenir »,« La force de conviction »,« Comment je suis redevenu chrétien », et « Je n'ai plus peur ». Attendu que M. Jean-Claude Guibaud a été grand reporter dans le journal Sud-Ouest, le journal Le Monde et le Nouvel Observateur, qu'il a présidé l'association Reporters sans frontières, qu'il est éditorialiste à l'hebdomadaire La Vie et au journal Sud-Ouest. Attendu que M. Jean-Claude Guibaud a cofondé et dirigé les éditions Arléa, qu'il a été directeur littéraire aux éditions du Seuil, puis aux éditions des Arènes, qu'il est membre du conseil de surveillance des éditions Bayard. Attendu que M. Jean-Claude Guibaud utilise sa plume comme une arme pour s'opposer aux idées totalitaires, au conservatisme et aux adhésions naïves. Attendu qu'il considère les mutations du monde comme une opportunité d'approfondir notre compréhension des choses. Attendu que, en sa qualité de journaliste, M. Jean-Claude Guibaud a été amené à couvrir, relater, et se faire le messager de tragédies qui ont secoué notre monde, veillant à rendre compte de manière juste et équilibrée des tensions et des inégalités qui bouleversent nos sociétés, attendu qu'il s'est fait l'écho des hommes et des femmes qui, au cœur de catastrophes et de conflits, combattent le fatalisme par la solidarité et laissent place à l'espérance. Attendu qu'il est un intellectuel engagé dans les réflexions fondamentales, qu'il refuse la déresponsabilisation de l'humain en faveur des mécanismes anonymes et de la puissance, de la technoscience et de la marchandise. Attendu que ses travaux et son engagement ont été récompensés tout au long de son parcours par de nombreux prix, dont notamment le prix Albert Londres, le prix Jean-Jacques Rousseau, le prix Renaudot Essai et le Grand Prix européen de l'essai. Attendu que ses combats sont en accord avec les valeurs portées par notre université. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons
M. Jean-Claude Guibeau, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Félicitations. Je me suis promis de ne pas dépasser les 7 minutes qui me sont imparties. Je vais essayer de tenir parole. Je voulais vous dire, évidemment, au début, je voulais vous dire ma joie, mon honneur, le plaisir que j'avais eu depuis 2 ou 3 jours à retrouver ici des amis, notamment des amis belges, et notamment une consœur qui est sûrement une des femmes pour qui, depuis très longtemps, j'ai le plus d'admiration et d'affection. Je parle de Colette Breckmann, qui est non seulement une grande journaliste, mais qui fait partie de ces journalistes qui, de temps en temps, ont assez de courage et de détermination pour sauver l'honneur de notre profession. Quand il y a bien longtemps, le 23 décembre 1989, Colette Breckmann a été la seule dans la profession à avoir le courage d'écrire un article qui s'appelait « Je n'ai rien vu à Timisoara », où elle disait qu'en effet, elle n'avait pas vu ce charnier, ce prétendu charnier, dont on a appris après que c'était un montage du KGB. Je pense que ce jour-là, dans toute la profession européenne, Colette Breckmann a été la seule. Simplement, en étant fidèle à sa règle, je ne parle de ce que j'ai vu. C'est une règle simple, c'est je ne cède pas au mimétisme, je ne cède pas à l'esprit de meute, je continue mon travail envers et contre tout. Et ce jour-là, je n'ai jamais oublié, et j'ai eu une immense joie à la serrer dans mes bras hier pour lui dire à quel point je n'avais jamais oublié ce jour et à quel point je lui en étais reconnaissant, encore aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire ma joie personnelle, non seulement parce que je suis très honoré, mais parce que les amis qui ne le savaient pas, évidemment, qui ont eu la gentillesse de me proposer comme docteur honoris causa, ne savaient pas, je pense que monsieur le recteur non plus ne le savait pas, que faisant cela, symboliquement, il recollait 2 morceaux de ma vie. Je m'explique, je suis devenu reporter de guerre, au Biafra en 1968, en renonçant à passer l'agrégation de droit, à cause de mai 68. Et au grand désespoir de mon père, qui voyait déjà son fils avec une toge, etc. Et quand j'ai dit à mon père que je ne serais pas docteur en droit, agrégé de droit, c'était très long, c'était bac plus 9, l'agrégation de droit, mais que je serais journaliste, mon père m'a répondu avec une intonation que j'ai gardée longtemps dans mon oreille. « Ah bon, tu veux être journaleux ?» C'est vous dire en quelle estime il tenait ce métier. Et il a fallu ensuite des années de correspondant de guerre, parce que mon père était général, pour que, allant sur son terrain, c'est-à-dire allant faire la guerre, que je recommence petit à petit à reconquérir son estime. Quand il a commencé à me poser des questions sur l'artillerie américaine au Vietnam, sur l'utilisation des canons de 150 autotractés, etc., j'ai su que tout d'un coup, j'étais en train de regagner son estime et j'ai pu le faire complètement avant qu'il ne meure. Je voulais vous parler de tout ça, mais je vais quand même finir et vous parler de ce que je vis de plus important depuis que je suis là. Vous savez, depuis que je suis là, j'ai entendu Ève, j'ai entendu Christine, notamment hier et avant-hier, et j'ai été bouleversé par la force d'espérance que j'ai trouvée en elle
et que j'ai trouvé dans ces récits. Parce qu'on vous a dit ce qu'elles avaient fait avec la Cité de la Joie près de Bukavu, ou avec ce qui se passait à Bukavu. Mais moi, ce que j'ai entendu hier et avant-hier dans leur bouche, c'est que ces jeunes femmes, plus que violentées, ces jeunes femmes détruites dans leur corps, avec une violence, avec une espèce de destruction du corps des femmes, parmi elles, il y en a qui, au fond de leur détresse et au fond de leur faiblesse, ont été capables de transformer leur faiblesse en force. C'est-à-dire ont donné une leçon d'espérance encore plus inimaginable que ce que j'imaginais. Moi, j'ai appris l'espérance auprès de gens qui avaient toutes les raisons de désespérer, dans les guerres, dans les tragédies, etc. C'est auprès de ces gens que j'ai appris l'espérance. Et à l'époque, pendant des années, le pessimisme, je le retrouvais à Paris. Alors que j'avais trouvé l'espérance au Cambodge, au Vietnam, au Liban, en Éthiopie, je trouvais à Paris cette espèce de pessimisme mondain que j'ai pris en horreur. Et donc, quand je dis que j'ai l'espérance chevillée au corps, c'est parce que j'ai eu le sentiment, si vous viviez ça pendant 25 ans, que si moi je cédais à la désespérance ou au pessimisme, et je trahissais tous ces gens que j'avais laissés là-bas dans leur pays, et qui, eux, m'avaient appris l'espérance. Qui étais-je, moi, pour me payer le luxe du pessimisme, alors que eux, qui avaient toutes les raisons de désespérer, ne le faisaient pas? J'aurais eu le sentiment de les trahir. Et voyez-vous, ce que j'ai entendu hier, les récits à propos de la Cité de la Joie et de Bukavu, ça m'a remis au fond du cœur une dose d'espérance encore plus forte que celle qui était déjà. Merci. Au moment de clôturer cette cérémonie, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis sa réalisation, bien sûr notre docteur Renouris Cosa, mais aussi leurs parrains et marraines. Vous avez vu combien la proximité, le fait qu'ils aient été les voir pendant plusieurs jours à l'avance, a développé une complicité entre eux. Les lecteurs également,
ceux qui sont intervenus à l'écran lors de les 11 personnes qui sont intervenues à l'écran lors d'une courte vidéo, et tous les services techniques de l'UCL, et particulièrement la REC, pour la mise en place de cette soirée. Et bien sûr, vous tous pour votre présence. Je vous invite maintenant à partager un moment ensemble avec notre docteur honoris causa dans le hall de l'Ola Magna. Je vais juste vous demander de rester encore bien à vos places le temps que le cortège sorte de l'auditoire. Voilà. Je vous remercie tous pour votre présence et à vous retrouver dans un instant dans le hall de l'Ola Magna. Merci à tous.